Ah, j'ai bien dormi là. Oh, ça sent trop bon. C'est quoi? Je vais aller voir. Oh, qu'est-ce que t'as fait, papa? Ça sent trop bon. Salut mon petit canard en sucre, t'as bien dormi? Très bien, papa, et toi? Ah ça va, écoute, hein, j'ai préparé des petits plats là pour ma merveilleuse famille que j'aime tant. Mais ouais, ça va sinon. Et t'as fait quoi au petit déjeuner là? Ça sent bon. Bah là, pour donner beaucoup d'énergie et pour que tu grandisses, j'ai fait un petit peu de légumes, quoi, bien entendu, des pommes de terre, avec un joli petit steak. Voilà, de la sauce et tout, d'armoreille et tout, là. Oh, trop bon. Comme j'aime, quoi. Bah attends, elle est où maman? Elle est pas là? Oh, maman, si, elle regarde de la télé, tranquillou-bilou. Ah, Voilà. maman? Quoi? Tu viens manger avec nous? Papa, il a fait un truc trop bon à manger. Ah, salut, ma petite chérie, je t'avais pas vue. Ah, d'accord, pourtant je parle fort. Ouais, tu sais, ta maman, elle travaille beaucoup, hein. Bah justement, faut que tu prennes des forces pour ton travail. Bah justement, j'ai pas trop le temps, tu vois. Mais non, allez, reste avec nous, regarde. Regarde le bon steak. Oh là là, tu sens, ça sent bon. Et après, tu auras des forces et tu vas grandir si tu manges bien. Ouais, non pas trop, tu vois, je repartir, je suis pressée. Ah bah si t'es pressé, c'est pas grave chérie, je vais te mettre la nourriture dans un sac, comme ça tu pourras l'amener directement à ton boulot. Faut pas manquer d'énergie bien entendu quand on tient à toi. Non, j'ai pas le temps. Allez, salut. Ah bah pas de soucis, Ah oui, bisous mon à amour, toute. je t'aime. Moi Je aussi, je t'aime t'aime, chérie. maman. Je t'aime. Ouais, allez. Bon c'est pas grave ma petite princesse, vas-y serre-toi. Ça commence à être froid tout ça. Attends, je vais juste ressortir ton assiette qui est partie dans le four avec notre nouveau robot Dyson qui met des trucs dans le four tout seul. Oh, trop Tiens, bien. ton Ah. assiette. Ah, c'est encore le robot Dyson, il a mis dur par terre, mais c'est pas grave. T'inquiète, papa, je vais prendre l'assiette. Hop. Ah. Mais t'inquiète pas, même si maman n'est pas là, on va s'amuser. Tu sais quoi, j'ai une bonne idée. Pourquoi pas, on va au parc tous les deux et on va s'amuser comme au plus haut vieux temps là-bas. Et Oh oui, surtout ça pour fait donner le. longtemps. Ouais. Eh ouais, je vais te pousser sur les balançoires comme on faisait à l'époque, bien entendu. Et bien entendu, pour commencer cette belle journée, je t'ai fait un cadeau. Mais Eh ouais. non, mais non, un cadeau. Et en plus, il est jaune, c'est ma couleur préférée. C'est quoi, c'est Ouais, quoi, je. c'est quoi? Bah, ouvre-le, tu vas voir. Tiens, hop. Alors, tu Alors, c'est vois? quoi? Oh, j'ai une nouvelle poupée qui fait caca, popo et pipi en même temps. Eh Mais ouais, c'est la non. poupée Dyson. C'est la poupée Dyson. Elle réagit à tout. Elle. Oh! On dirait un vrai bébé, mais c'est fou ce que les gens y font, ils fabriquent, c'est trop bien. C'est qui? C'est Elon Musk qui l'a fabriqué? Ouais, c'est Elon Musk. Oh, mais je l'adore, et tonton Elon Musk, il fait des gros bisous. Oh. Ouais, c'est vrai qu'il fait. Mais après, bien entendu, tu mérites le plus beau des cadeaux du monde parce que t'es la plus belle des petites filles. T'es ma petite fille à moi, bien entendu. Bah du coup je vais aller m'habiller et puis ils vont emmener comment on va l'appeler? C'est une bonne question, ça. Bah, va t'habiller si tu trouves un nom. Un joli nom à se pomper, je vais t'acheter une glace après Ça pour te marche. récompenser Bah du nom que tu donnes. je vais m'habiller et puis je vais trouver un nom en attendant et puis comme ça on va aller au parc. Vas-y, mon petit bonbon en sucre, mon petit canard adoré. À tout de suite. À tout de suite, je t'aime. Je Oui, si t'aime, je mon petit t'aime, canard. papa. Je t'aime. Ah, mon petit canard en sucre, j'espère que tu t'amuses bien. Ne balance pas trop fort pour pas te blesser. Oui, ça va déjà trop vite là. T'as vu, je vais comme une fusée dans Ouais. l'espace. Ah bah Bientôt, tu vas j'atteins le super ciel. vite. Ouais, comme Elon Musk avec sa navette spatiale Dyson. Et ouais. Il est vraiment trop fort, hein. Ah, d'ailleurs, je t'ai acheté une glace. Ah Eh ouais, ouais, trop la chose. bien. Glace à la vanille, car je sais que t'aimes pas le chocolat. Ouais, t'es sûr elle est pas au chocolat? Non, elle est pas en chocolat. Parce que je D'accord. connais bien tes goûts, car je suis ton petit papounet, bien entendu. Trop bien. Je t'ai même acheté des fleurs.
Tiens, prends les fleurs aussi. Oh, c'est des fleurs, c'est des belles fleurs. Elles sont vivantes. Ouais, bah, bien sûr qu'elles sont encore vivantes. Tu pourras les planter dans notre jardin. C'est vrai, ouais, je pourrais les planter. C'est des plantes Air Max, elles respirent dans l'air. Oh, mais c'est trop bien ça. C'est qui a inventé ça encore? Ouais, c'est les roses qui respirent. Et ouais. Ah, c'est comme toujours la chaussure qui respire, c'est des Zeox. Effectivement, c'est des géroses. Zeox. Des géroses. Des zéro. Oh, oh trop bien ça. Et ouais. Ah, moi, j'ai même acheté des ballons. Ah, ouais. Oh, mais où est-ce que t'as mis tout ça? Wow. Ah ben, j'avais tout dans mon petit sac à dos, parce que je sors tout le temps équipé. Au cas où, si t'arrive quelque chose, j'ai ma petite trousse de secours, bien entendu, ma petite fille, hein, quand je t'aime beaucoup. Et tiens, 100$ aussi, je voulais te donner ça. Oh, c'est mon argent de poche. C'est ton argent d'aujourd'hui, ouais. Oh, trop et bien. Et aussi, il y a aussi cette liste, effectivement, que j'ai signée, en fait. Si un jour t'as un souci, par exemple, de rein, de cœur ou autre... Bah, t'as la possession de tout mon corps, en fait, de tous mes organes génitaux. Du coup, à n'importe quel moment, tu peux faire une greffe, quoi. Mais c'est quoi un organe génitaux? En fait, par exemple, si ton cœur il fonctionne plus, tu pourras prendre le cœur de papa. Oh, mais j'ai déjà ton cœur. Et t'as déjà mon cœur. Bah oui, ma petite fille. Si je pouvais me marier avec toi, je l'aurais fait, mais malheureusement, t'es ma petite fille, comme ma petite fille que j'aime, ma petite canard en sucre, mon petit bonbon. Et moi, je veux me marier avec toi, papa, parce que t'es le meilleur homme de tout l'univers. Ah, malheureusement, je le sais, ma petite fille, que je suis le meilleur homme, mais on pourra pas se marier. Il faudra que tu trouves quelqu'un qui est aux mêmes valeurs que toi. C'est-à-dire, faut que tu te maries avec quelqu'un que t'aimes vraiment. Moi, je suis ton père. Moi, j'aime déjà ta mère. On pourra pas se marier, ma petite fille. C'est vrai, c'est vrai. Ça me touche le cœur. C'est vrai. Ouais. Bon, du coup, il commence à se faire taire, là, je veux pas que tu te fasses agresser, parce que moi, j'aime pas trop la violence, hein. Si on doit se taper sur la route, on va se faire tabasser, ma petite fille, du coup, viens avec moi, je vais te tenir la main au cas où si y a un véhicule qui passe, et on va rentrer à la maison, tranquille ou bilou. Ça marche, j'espère que maman, elle est déjà à la maison, comme ça, on va pouvoir manger ensemble. Ah, hein? Ouais. Attends. Je vais aller cuisiner. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais traverse pas comme ça, ma petite canard. Mais moi, je te suis, papa. Mais attends, c'est pas maman en face, là? Qui est en train de manger, attends. Là? Attends, je regarde dans ma petite trousse si je trouve quelque chose d'utile. Oui, effectivement, c'est maman, tranquillou bilou, qui est en train de boire un petit café avec un bon monsieur, Tracy. Mais elle n'était pas censée aller au travail, maman? Ah, écoute, maman, dans ce qu'elle travaille, elle fait beaucoup de dîners d'affaires et tout. Du coup, je pense qu'elle travaille avec un des potentiels investisseurs. On va la laisser bosser, hein. C'est une bosseuse, ta maman. C'est pour ça que je l'aime de tout mon cœur. Ah, regarde comme elle est trop mignonne, comme ça, là, quand elle boit du café, en regardant ce beau mec qui est juste en face d'elle. Ah, elle est trop Mais mignonne. Pourquoi le monsieur, il pose sa main sur la main à maman? Oh, écoute, ça doit être du business, hein. Maintenant, tu sais, ça marche comme ça. On appelle ça, en fait, tout simplement le... C'est tout simplement la communication par le toucher, ma fille, voilà. Ah, c'est comme quand on se tient la main pour rentrer à la maison, quoi. Effectivement, c'est le business. Après, entre toi et moi, c'est plus de l'affection, de l'amour éternel, car mon cœur est dévoué, mon âme est dévouée à toi, mon corps est dévoué à toi, ma petite fille, ainsi qu'à ta mère, mais... Eux, c'est plus un lien de business, on va dire, quoi. D'accord, ok, bon, je comprends. Je pense qu'on va laisser maman travailler tranquille au bidon. On va rentrer à la maison, ma petite okay. Canard en sucre, mon petit bonbon, mon petit rainbow, mon petit sunshine on the earth in the paradise, voilà. Bon, allez, on y va. Ok, papa, je te suis. Passe devant, comme ça, je vois bien comment tu marches, là. Voilà, très bien. Mais tu vois à quelle heure tu rentres, hein? Ça commence à faire long, tout ça. Comment ça? Ben oui, il est presque minuit passé, il est 3h du mat. Mais j'ai même pas vu l'heure. Mais t'étais où, comme ça? Hein? Bah j'ai une vie, en fait, j'ai pas à te la raconter. Ouais, t'as une vie. Sache qu'aujourd'hui, j'ai dû expliquer à ta fille pourquoi t'étais avec un autre homme que moi, en train de manger, et cet autre homme avait sa main sur ta jambe. Tu peux m'expliquer cela? Parce que maintenant, tu m'espionnes. Espionnez pas, j'ai emmené notre fille adorée, mon petit canard en sucre, aller jouer au parc. Et elle-même, elle t'a vu de ses propres yeux, ta propre fille. Et j'ai non, bien entendu.
Vu que je t'aime, je t'ai sauvé, je l'ai dit que c'était un collègue de travail, mais on sait, je sais très bien qu'est-ce que tu fais avec cet homme. Bah non, c'était un dîner d'affaires. Un dîner d'affaires, comment ça, à chaque fois tu me fais le coup? Et en plus, j'ai regardé notre compte en banque familiale. T'as dépouillé tout l'argent, tu veux faire quoi avec? Tu veux te casser? Notre fille doit aller à l'université avec ça, c'est l'argent qu'on avait mis de côté. Bah en fait, si j'ai envie de me casser, je me casse, c'est pas à toi de choisir ma vie. Comment ça? Je suis ton mari, je t'ai tout donné, même mes cheveux, je te les ai donnés, j'ai plus de cheveux sur la tête. Ah Tu comprends bah... pas? Comment ça, tu veux nous casser? Comment ça, tu veux te casser? Moi, j'ai tout fait pour notre famille, toi, tu veux te casser? C'est pas bien. Bah c'est la vie, hein, mon petit coco. Mais... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, ma petite chérie? Pourquoi t'es venue à cette heure-ci? Ouais, je sais pas, j'ai entendu beaucoup de bruit, du coup je suis venue voir ce qui se passait, quoi. Oh non, c'est rien, c'est juste un oiseau qui est rentré par la fenêtre, du coup on l'a mis dehors et il s'est envolé pour aller vers les cieux. Mais c'est pas ça, il se fait tard, écoute, il est presque 3h du mat, va te coucher, va te reposer mon petit canard en sucre, D'accord, au vous êtes pire de... sûr ça va? Oui, Ouais, y a pas faut de soucis, dormir y a la pas de nuit, ton soucis. papa il te l'a jamais dit. T'inquiète pas. D'accord, bah, d'accord, je vais aller dormir. Bonne nuit. Eh, bonne nuit, ma petite chérie. Je t'aime. Ouais, bonne Je nuit. t'aime, Aussi, ma je vous petite chérie. aime. Mouah, bisous, je t'aime. Mouah. Bisous. Parle-moi fort. Tu vois, tu lèves notre fille. T'as cassé son sommeil. Son magnifique sommeil, tu l'as cassé. T'as brisé l'innocence de ta famille. C'est toi qui l'as réveillé. Ouais. Ah, il fait beau aujourd'hui. Il y a du soleil. Ça sent bon aujourd'hui aussi. Salut papa. Bonjour mon petit canard en sucre, mon petit bonbon, mon petit sunshine of all my life. Comment vas-tu? T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. Et toi, t'as bien dormi papa? Super bien dormi. Écoute, je t'ai préparé des petits poulets là pour les braiser avec sa petite sauce incroyable. Je te laisse ça déguster sent tout trop ça. Bon. Eh ouais. Elle est où maman? Qui? J'ai pas compris. Ben maman, parce qu'elle est pas devant la télé comme d'habitude. Maman, elle est où? Ah maman, elle est partie au boulot plus tôt aujourd'hui. Et elle m'a dit que ouais, elle serait très rarement là quoi maintenant. Ah ouais? Pourquoi? Boulot, elle m'a dit travail, tu sais, elle parle pas beaucoup, maman, elle dit pas trop ce qu'elle fait dans son travail, du coup, voilà quoi. Hein. Je Ok, sais pas bon. Plus que toi. Bon bah du coup, bon appétit, papa. Bon appétit, mon petit canard en sucre, mange bien. Merci. Faut prendre des forces. Ah, c'est vraiment pas mal cette émission. C'était trop bien. Eh ouais. J'ai pas vu l'heure, mon petit canard en sucre. Là, c'est le moment d'aller te coucher. Hein. Commence à se faire taire là, tu vas être fatigué. Sinon, c'est à cet âge-là, il faut pas rester éveillé aussi tard que ça. C'est pas bon pour ta santé, ça. Mais papa, il y a maman, elle est pas encore rentrée. Je lui ai pas dit bonjour de toute la journée. C'est préférable que tu ailles te coucher, mon petit canard en sucre. Je pense pas que maman va rentrer aujourd'hui. Comme je t'ai dit, elle sera très 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 absent pendant je sais pas combien de temps, hein, écoute. Oh, bon bah tant pis, je lui dirai demain. Bah bisous papa. Ok, pas de soucis. Bonne nuit mon petit canard. Bisous papa. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je t'aime mon petit canard. Je t'aime. Je t'aime mon Moi petit aussi canard. Je t'aime, Bisous. Papa. Bisous À mon demain. petit canard. Moi. Mon petit canard en sucre, moi. Je t'aime. Bisous. Moi aussi je t'aime. N'oublie pas ton sommeil. Oh, trop bon comme d'habitude ton déjeuner, papa. Eh ben oui, parce que c'est toi la meilleure, ma petite canard en sucre que j'aime tant, ma petite sunshine of tous les temps, sunshine of all my life, sunshine in my heart. Ah, bonjour monsieur, vous voulez un donut? Mais c'est qui ces gens? Vous êtes en état d'arrestation. Comment ça? Monsieur Musk, nous avons retrouvé le corps de votre femme. Vous l'avez tué. Quoi? Oui. Alors, seul délit que j'ai commis dans toute ma vie, c'est bon, j'avoue, c'est d'avoir mis une déesse comme ça sur Terre, c'est-à-dire ma fille, d'avoir permis la conception d'un
joli canard en sucre, le sunshine de toute ma life, l'amour de ma vie, le soleil dans la noirceur, la lune qui fait le tour de la terre. Voilà, j'ai terminé. Eh bien, après, désolé, mais vous avez quand même commis un meurtre, monsieur. Mais j'ai rien fait, vous avez aucune preuve. Si, car nous avons retrouvé son cadavre. Son cadavre. Désolé, je parle bien le français. Mais nous avons retrouvé ton cadavre. Avec toutes vos empreintes digitales dessus. Bah, c'est normal qu'il y ait des empreintes digitales de moi sur ma femme quand c'est ma femme. Oui, mais quand vous l'avez tué, il y avait des empreintes sur le couteau et tout. Enfin, plutôt sur la hache. Et la hache, il n'y a pas d'hache dans cette maison. C'est une maison pacifique. Écoutez, moi, je n'ai rien fait de toute façon. Ah, monsieur, de toute façon, vous êtes obligé. On est la police. Donc, vous allez nous suivre bien gentiment. Sinon, eh ben, vous allez... Mais bon, je suis en partissant de la paix. Je l'accepte de vous suivre. Mettez-moi les lunettes. Mais mon père, il n'a rien fait. Arrêtez. Si, petite, il faut que je t'explique quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Mais non, c'est pas vrai, elle est en train de travailler, ma maman. Elle va revenir. Eh ben non, elle est morte, elle est dead, elle n'existe plus de ce monde, elle est partie au 7e siècle. Quoi ? Petite canard en sucre, prends soin de toi, serre-toi dans le frigo, je t'aime. Allez, moi aussi je t'aime, mais reviens vite, t'attends pour le midi, d'accord ? Jamais il va bientôt, allez. Comment ça, il revient plus ? Mon petit canard en sucre. Mais dis-moi que c'est pas vrai, papa. Ma petite, tu dois venir avec moi. Mon petit canard en sucre, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je t'aime, mon petit canard en sucre. Oh, oh. Allez, c'est bon là. Vous allez avancer votre cul là. Ça compte pas à faire là. Arrête de bouger, toi. Arrête de bouger. Oh, avance. Papa. 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 Mon petit canard en sucre. Vous avez pas le permis. Papa, moi je t'aime, papa. Il y a plus de place pour moi en fait. Papa. Oui, mon petit canard en sucre, je t'écoute. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah écoute, on m'a enfermé, hein. Je suis un prisonnier maintenant. Mais t'inquiète pas, c'est tranquillou bilou, je vais m'en sortir, mon petit canard en sucre. Bah ouais, mais je veux être avec toi. Mais ta famille d'accueil, normalement ils ont trouvé une bonne famille d'accueil, normalement ils te regardent bien. Est-ce qu'ils te regardent bien au moins? Bah oui, ils sont gentils, mais je préfère ma famille d'avant, quand on était tous les trois. Ah bah ce sera pas possible pour l'instant. Écoute, je sais que t'es très très forte, mon petit canard en sucre, tu vas pouvoir surmonter tout ça. Et si t'as un souci avec ta famille d'accueil, quand tu vas venir me rendre visite, si tu me rends visite toujours, bah tu pourras me dire s'il y a des soucis avec eux, comme ça je serai bien au courant, et voilà. Et aussi, non, t'inquiète pas, pour l'instant, écoute, le plus important, c'est que tu fasses tes études, que tu vis, c'est que tu deviens une plus belle fille que t'es maintenant, que même tu deviens une déesse, que tu deviens réellement le sunshine, que tu deviens le soleil directement, quoi. Mais papa, c'est quand qu'on va pouvoir être ensemble à nouveau? Ah ben là, malheureusement, quand je vais sortir ici, moi, tu seras déjà adulte. Mais sache que je serai tout le temps là pour toi, pour te donner des conseils ou autre. Voilà, t'as qu'à venir me voir ici, je serai tout le temps là pour parler avec toi. Mais quand je vais sortir derrière ces barreaux, c'est quand tu seras déjà adulte, mon petit canard. Mais c'est quand que tu serais adulte? C'est dans longtemps? Oui, c'est dans très très longtemps, c'est pour ça que je te dis de t'accrocher pour l'instant. Et c'est vrai ce que les gens ils disent et tout dans les journaux, comme quoi t'as tué maman? Non, en fait, ils mentent tous, c'est que... je t'explique la réalité, c'est que... Tu sais, j'ai ma petite hache sous le lit pour couper les arbres qui poussent des fois trop près de la maison, pour éviter que ça abîme la maison, du coup, je coupe avec la hache. Malheureusement, cette soirée-là, maman me disait qu'elle dormait très mal parce qu'elle sentait un truc sous le lit. Du coup, j'ai retiré la hache pour que ça ne la gêne plus. Malheureusement, j'ai glissé sur un petit peu d'eau qui était tombée par terre. Et ma hache s'est plantée 10 fois dans son abdomen, tout simplement. Et voilà, c'était un malheureux accident. Et je suis attristé par cela.
Mais si c'était un accident, pourquoi t'es là? Bah, c'est que personne ne me croit. Mais non. Mais non, t'inquiète pas, c'est comme ça, malheureusement. Écoute, ils ont décidé de mon sort, je ne pourrai rien y faire, ma petite, mon petit canard en sucre. Mais toi, t'es libre, toi, tu pourras faire ce que tu veux, écoute, y a pas de souci. Hein. Mais c'est pas la même chose si toi, t'es pas libre avec moi. Écoute, ton papa, il est déjà... Je suis déjà assez vieux, je commence à rentrer dans l'âge maintenant. Toi, t'as toute ta jeunesse devant toi, du coup, profite bien de la vie, ma petite canard en sucre. Voilà, seule promesse que tu peux me faire, c'est est-ce que tu me promets de vivre ta vie et de ne plus pleurer, de devenir forte? Ok, je te promets, papa, mais pas tout de suite demain, d'accord? Puisque là, j'arrive pas à arrêter de pleurer. Il n'y a pas de souci, ma petite chérie. Mais en tout cas, il faut que tu ailles combattre la vie et que tu t'envoles telle une libellule, que tu te transformes tel un papillon, tout simplement, que tu évolues tel un Pokémon. Ah non, pas Pokémon, mais voilà, t'as compris quoi. Moi, si je suis un Pokémon, je suis Papillusion. Je suis un papillon. Ouais. Voilà, t'es Papillusion, effectivement. Et du coup, toutes les autres personnes, c'est des tas de morves et il faut pas l'écouter parce que eux, ils évoluent jamais. Et toi, tu pourras évoluer en une magnifique Papillusion et tu vas tout simplement faire manipuler tout le monde avec ton magnifique charme quand tu seras la plus belle. Oh, trop bien, papa. Je dois y aller parce qu'il y a ma famille qui m'attend devant. Ok, y'a pas de soucis, envie. Ouais. Bisous papa, coup, je reviendrai te voir, d'accord? Bisous ma petite libellule. Bisous papa, je t'aime, je fais un bisou sur la vitre. Mouah. Je t'aime ma petite libellule. Je t'aime. Mon petit papillusion. Ma petite libellule. Je t'aime ma petite libellule. Ma petite libellule. Écoute, je commence à vraiment en avoir marre. Mes cheveux, ils poussent même plus maintenant. Notre fille, moi, je veux à tout prix la protéger. T'es en train de détruire notre vie de famille. Du coup, je vais prendre, hop, sous mon lit, hop. C'est le moment que tu dégages quand attends. Je t'ai tout donné. Tiens, prends mon amour. Tiens, je fais ça pour la famille. Pour la famille, c'est pas du tout intentionnel, c'est pour la famille, ouais, pour l'amour de la famille. Ah, oh mon dieu, qu'elle est puissante, l'amour de la famille. Hop, allez, pour l'amour de la famille. Ah.